c'est une vallée qui est encore sauvage et qui n'est pas touchée par les remontées mécaniques, les routes, ou bien c'est vraiment brut. On met, quand on monte, il y a les coulées d'avalanches. Enfin, moi, je sens des fois, je me dis, je suis pas trop la bienvenue, en fait, là. Il y a de la vie, elle est forte, quand même, mais c'est une vie rude. Il y a une lutte, presque, face aux éléments. Le cycle se passe rapidement. Il y a une densité, une puissance des phénomènes naturels. On se sent traversé par cette force de vie. On a quoi? Le volcan, le gamay à 20, à 18. Qui dit mieux? Pendant. Non. On le met sur la souche. Directement. Dans le vide. Là. Heureusement qu'on a ça. Hein. Ouais. Je vais passer là. Ça coule bien. Ouais, c'est stable. C'est plus ou moins stable, mais on va le ficeler un peu. Ouais. Celui-là, il allait comment? Dans l'autre sens. Moi, j'avais envie de passer en été en montagne, faire berger, j'avais été faire des stages. Ouais, j'ai jamais imaginé tenir un gîte, quoi. C'est quelque chose... Ouais, je pensais pas que ce soit dans ma nature, vraiment, d'être en contact avec autant de personnes, accueillir du monde. Mais je me suis dit, pourquoi pas? C'est quand même une belle expérience humaine. Ça change des moutons, c'est sûr. Alors, tac. Tu as allumé? Ouais. Vas-y. Attention, ça va gicler. Youpi! Elle est bonne? Ouais. Ça faisait quelques années que je travaillais dans une ONG à Lausanne. Et puis, j'en avais gentiment fait le tour. J'avais envie de me rapprocher de la nature. J'avais fait une formation d'accompagnatrice en moyenne montagne. Et du coup, un jour, j'ai démissionné simplement pour créer du vide, comme Stéphane me disait. Crée du vide dans ta vie, il y a quelque chose qui viendra. L'univers n'aime pas le vide. Et lui aussi, en fait, il a quitté son travail en même temps que moi. On a démissionné le même jour. Mais lui, il voulait faire berger. Puis moi, je me suis dit, bon, moi, on verra. Pourquoi pas aller servir des soupes dans une cabane, sans rêver, en fait, en tenir une moi-même.
m'a souvent dit « Ah ouais, t'es courageuse de tout lâcher, de démissionner sans rien avoir, de partir en voyage. » J'ai souvent entendu ce mot « courage ». Puis moi, je n'associe pas ces étapes à du courage, en fait. Parce que je me dis le courage, c'est quelque chose où il y a peut-être une peur derrière. C'est juste un élan, en fait, qui est là. C'est une énergie, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est ni du courage, ni un effort. Il va comment sur eau ? Écoute, ça va, il reprend, hein. On aura peut-être une ombelle. Faudra qu'on enlève les orties. Faire de la soupe. Ouais, parce que là, les enfants... Ils tombent dedans. Je suis venu là chercher un mode de vie proche de la nature. Qui soit pas un travail trop routinier, disons. Malgré qu'il y ait une routine, quoi. Tous les jours, on vient allumer le feu, préparer à manger, passer le coup de balai, et on a notre routine. Mais on va pas compter nos heures, ouais. On sait qu'on est là pour la saison, qu'on va être là tous les jours, à accueillir du monde, tous les jours sans pause, quoi. Une vie un peu atypique. Épinards. Bon en riz. Épinards sauvages. Dans le jardin. Ils sont bien. L'avantage à 2000 mètres, c'est qu'il n'y a pas de limaces. Ça, c'est un sacré avantage pour les salades. Puis des fraises. Tout ça, ça a été grignoté, regarde. Ouais. Ça, c'est des mulots. Des campagnols ou des mulots ? Des campagnols. C'est tard pour planter. Il y avait de la neige encore la semaine passée. Mais ça va. Dans 3 mois, on aura quelque chose. Hein ? On va faire des soupoches dans certains. Il y a une marmotte qui grignote là-bas. Elle est en train de grignoter la toilette sèche. Ouais. Je me réjouis quand il y aura des vaches tout autour, ça va être beau. Ouais, c'est chouette quand il y a un berger qui vient. Mmh. Ouais, il y a juste une marmotte qui guide là, regarde sur le rocher. Ouais, elle est toujours là celle-là. C'est sa tanière par là. Mondale, t'as oublié, t'as fermé, t'as éteint la plaque ? J'ai pas éteint le gaz, non. Mince. Les gens qui viennent au gîte, ils recherchent d'être un peu déconnectés, puis d'être immergés dans la nature. Ouais, d'avoir un contact direct avec les éléments. C'est vrai que il faut quand même marcher 2 heures, et c'est pas, on n'arrive pas là en voiture, donc il y a un peu cet effort quand même. Et ce gîte, il est aussi connu sur le Tour des Muvrans pour être un des gîtes les plus rustiques. Donc je pense que les gens qui viennent là, ils aiment bien cette rusticité. Et puis ils apprécient, en fait.
Qu'est-ce qu'il dit, ton dad? Laissez voir, j'ai rajouté du coco. Oh, la bonne. Ok. Here's the soup. Just here. C'est la soupe d'ortie. We are not many people. No, that's true. No. Pour les prochaines quoi, 3 mois. Ah non, c'est pas aussi calme. Il y aura beaucoup de monde après. En juillet, c'est plein. On a discuté, ah mais ça c'est une vie assez tranquille, mais c'est pas une vie tranquille, là, c'est de travailler c'est non-stop, intense. Hein. Ouais. Tous les jours. Et les poulettes, je vous amène à boire. Moi, j'ai envie que les gens ils se sentent accueillis, puis qu'ils se sentent à l'aise, et puis j'ai envie qu'ils rentrent dans ces gîtes, puis qu'ils se sentent chez eux, puis qu'ils aient du plaisir, et puis que ce soit un bon souvenir. Donc, j'ai envie de leur offrir de l'écoute, et puis en même temps pouvoir partager, et puis de pouvoir faire qu'ils se sentent bien. Et ça, c'est un gros investissement. Je pensais pas que ça allait me prendre autant d'énergie, en fait. Les chats sont dedans. Ouais, il dort le petit blanc. Il y a des vipères qui vont sortir avec cette chaleur, hein. Déjà, tu crois? Ouais. Dans les pierriers, tu crois pas? Le mois de juin, il y a peu de monde. Ça nous permet de goûter à cet endroit d'une manière un peu différente, comme si c'était notre maison à nous. Mais c'est pas encore la grande foule avec les grands groupes, les terrasses pleines, où là c'est vraiment c'est du matin au soir non-stop. Là on peut en profiter, on a le temps de faire des observations, de lire, d'aller se balader. Donc c'est un mois qu'on aime bien. Ah waouh! Là, on va bien. Ah, c'est grandiose. Et génial. Toute la montée. C'est tout petit. On voit les clients arriver si jamais. Alors, on peut rester là jusqu'à ce qu'ils arrivent. On peut vite courir en bas. On dirait qu'il y a un petit aussi. Chut. Tout est femelle. À droite. Il y en a 7. Ouais. Oh, regarde ça. La course. Ils sont agiles, hein. Ouais, c'est beau de voir ça. C'est beau. La chance. Ouais. Magnifique. J'y pète au loin.
Ouais. Eh oui, c'est là, non, c'est l'aigle. C'est l'aigle. L'aigle royal. Ouais. Ah, il plane. Merci, ouais, c'est parfait. Est-ce que tu irais me chercher une petite arvine à la cave? C'est au fond de la cave, à droite. Avec... Avec des petits bleuets. Voilà. Comme ça. Et voilà, c'est pour Caroline. Ouais, merci, elle est sur le banc. Cet endroit, c'est vraiment un catalyseur de rencontres. Et je ne sais pas si c'est dû au fait que ce soit déconnecté. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est qu'il y a des grandes tables et puis tout le monde est ensemble. Et je pense qu'il y a, ouais, je pense qu'il y a des deux, en fait. Ah, les marmottes. Aussi. Ah, de toute façon, elles ont l'air d'être copines. Pour beaucoup, c'est leur première cabane. C'est la première cabane pour des enfants. Et on a une famille qui disent « Ah, alors ça, ça va être notre rituel. Chaque année, on va venir en famille. » Puis ça fait 3 ans qu'on est là, puis ils sont venus chaque année. C'est chou. Allez hop, allez Pancha, on y va, allez. Coquine. Allez. Allez Pancha, on y va. Le côté rustique, ça me plaît beaucoup. Sentir connecté aux éléments, quoi, aux basiques de la vie. Il y a pas mal d'efforts supplémentaires à fournir quand tu peux pas appuyer sur un bouton et puis... C'est toi qui dois faire tous les gestes les plus simples. Si tu veux de l'eau chaude, il faut amener du bois, il faut fendre son bois.
aller chercher l'eau. J'ai l'impression de retourner à l'essentiel. C'est bien, les arbres, c'est bien. Les carottes qui arrivent. Ouais. Ah, oh, ça a été? Ouais, bien. Oh, un bon sirop, merci. Salut, Francia. Oh, ils sont fatigués? Ouais, quand même. Ouais. C'est un peu long. Ouais, ils sont tout mouillés, ils sont transpirés. Vous êtes chopé la pluie? Juste en arrivant, là. Ouais. Alors, vous déchargez avant la pluie. T'as chargé beaucoup ou bien? Ça va, ça va. Ouais. Mais quand même. Merci, c'est bon. Rien de fragile. Non, c'est bon, il n'y a pas d'eau. Non. Bravo, Pat. Ouais. Allez, on va te libérer. Vous avez eu une pause en bas? Ouais. Voilà. Bravo. Où est ça? La tondeuse. On est là sur la terrasse? Ouais, un petit moment. Hey, merci, Tchaki. Ah oui. C'est notre dernière saison au gîte. C'est chouette de se dire c'est notre dernière, quoi. Je veux vraiment apprécier pleinement et je pense sans regret qu'on aura fait notre expérience ici. Et, on n'a rien à perdre, on a bien rodé notre histoire, on a bien vécu ici. Et je pense pouvoir partir serein. On a pris la décision de quitter à la fin de la dernière année, donc la troisième saison. On s'est dit, ok, on refait encore une ou encore deux. C'est un peu ça la question. Puis on s'est dit, allez, encore une, mais ouais, pas deux. Puis heureusement, parce que c'est une belle dernière année en fait. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils viennent une nuit, ils viennent là, c'est magnifique. Et puis moi j'adore les gens, j'aime les accueillir, j'aime qu'ils se sentent bien, mais. Quand il y en a trop, c'est dur de garder ça, en fait. C'est dur de garder cette fraîcheur, cette ouverture de cœur, en fait, que j'ai envie d'offrir, puis que je me rends compte que j'y arrive plus, en fait. J'ai sauvé juste les choux, mais les choux. Ouais. Ils étaient où, les choux? Dans la bouche de l'âne. Ah ouais. Il était dans le jardin. L'âne était dans le jardin. Mais non. Mais coquin, tu les as rentrés? Ah non, je sais pas, tu les mets. Ah, je vais aller. Ouais, ouais. Ouais, ouais, faut les rentrer. Oh, c'est pas vrai. Oh, petit chou. Qui n'a pas de sonnette, on la retrouve pas. Moi, c'est souvent, j'entends deux sonnettes, il y en a qui partent à des endroits. Pas possible, il faut que j'aille les chercher. Sans sonnette, je les perds. Et si jamais, si jamais les vaches, elles cassent en haut, et puis qu'elles descendent, tu mets le jus dans le... Tu mets courant. Dans le filet. Parce que t'as un fil en haut. Ouais. Qu'elle pourrait... ouais. Ouais, mais tu vois, il est en bas de la pente, alors... Ouais, moi je sais pas si j'attends la journée. Bon, tu vas les entendre de toute façon, si elles arrivent là. L'année prochaine, si t'es toujours là,
Je viens faire un apprentissage de berger avec toi. Si tu veux, comme ça tu me remplaceras. Ouais, un jour, peut-être j'ai envie de conduire un troupeau au lieu de m'occuper de randonneur. Ah, c'est pas le même troupeau, ouais. C'est peut-être moins fatigant. Baseball. Non. Ah non, un poireau. Un poireau. Mais t'as trouvé, il est tombé sur le chemin. Ouais. Tiens. On lui a fait dépasser des de la sacoche des ânes. Puis je l'ai trouvé. Ben voilà. Et encore, je suis sorti du chemin puis je suis tombé dessus. Non. T'amènes des poireaux aussi. Ouais. On va se faire un papier vaudois. Papier vaudois. Merci. Vous êtes chou. Et ah, posez vos sacs. Installez-vous. Oui. Vous êtes là? Ah ouais, d'accord. On a reçu des poireaux. Montez à vous. Vous avez l'oreillette ou bien? Ça va, ce dame? C'est génial. Il y a encore. Hein, si vous... Ça va, c'est génial. Ça va, toi. Vous n'avez pas déjà eu ça la dernière fois? Oui, c'est vrai. Bon, mais il y a des amis comme Muriel qui sont venus, je pense, 5 fois, puis ils ont vu chaque fois le dame. Mais tu cuisines des fois d'autres choses. T'as qu'un menu. Il y a un peu l'arc-en-ciel dans les yeux, c'est que je suis triste de laisser cette cabane et puis cette vallée, parce qu'elle est juste magnifique, et puis on s'y attache, et puis on s'y sent bien, et puis en même temps, il y a la joie de passer à une autre aventure, même si on ne sait pas encore laquelle ce sera, mais il y a quelque chose qui va venir, on est curieux, et puis du coup, ouais, l'arc-en-ciel, je crois que c'est l'image qui me parle le plus, c'est qu'il y a les deux, et puis ça va être chouette.
Un à la fois. Un à la fois. Il y a le vent qui pousse, donc tu dis, tu lances. Tiens. Sac. Attends, hein. C'est pas un tout, c'est bu. C'est nous, c'est ça. C'est un charme. On est sur la fin. Dans 2-3 jours, on va redescendre. Pour toujours. C'est une aventure qui s'achève. On reviendra en tant que client. Ou bien on ira se promener, nous, dans les montagnes. Voilà, moi, j'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai vécu ce que j'ai voulu vivre dans ce lieu et dans cette activité. Et j'ai envie de passer à autre chose. Allez. Pour l'instant, les met sur les lits, puis après, on installera une planche pour les suspendre, pour les protéger des souris, en fait. C'est parce qu'elles aiment bien faire leur nid là-dedans. Jean-Luc, je sais pas s'il a reçu le message. Il a reçu le message, mais il m'a pas répondu. Donc, je sais pas, il est peut-être en train de monter. Ouais. Ou pas. On verra. Ah ben, c'est bien, c'est une réussite. Ouais. Cette fermeture. Regarde, Massa. Tous ses amis. On a de la chance. Mmh. D'être bien entouré. Oui, de la chance. Ah, il y a encore des gens qui montent, regarde. Ah ouais. Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de larmes. Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de... Il n'y a plus rien. Bonjour. Bon. Alors, on profite des amis pour faire quoi encore? Pour discuter. Bon, on démonte les toilettes. Non, c'est bossé, là. Demain, on fait... Oui, les c'est toilettes. Qui c'est qui est motivé pour les toilettes? Démontage des toilettes. Atelier spécial. Ouais, ouais. Florian, le nouveau gardien de l'année prochaine, il est où? Faut qu'il... Ah, il a été se promener. Bon. T'as rose encore, toi. Faut qu'il regarde comment ça se passe. S'il veut les remonter dans le bon ordre. Sinon... C'est rigolo. Tu vas t'amuser à la remonter. Ouais, c'est rigolo, je te jure. Ça sera comme un peu... Tu mets des vis un peu partout, ça tient. Ouais. Ouais, on en a plusieurs. Attention à la ficelle là. Ouais, stop. Ouais. Yes, voilà. Hé, Pancha. Hé, Pancha, tu rentres à la maison? Ça, je vais garder. T'es sympa, toi. Vous avez des sacs qu'on peut charger sur les ânes? Moi, ouais, c'est tout. Amenez vos sacs, là, ceux qui descendent. Au revoir, tout le monde. Merci. C'est qui descend? Merci. Tu prends Pancha? Allez, U. C'est toi qui prends Jackie? Salut. Merci les ânes. Ouais, et merci. Hein. Merci Poncha. Et puis bonne fin de... Allez, suivez les ânes avec les chèvres. Comme ça, elle reste pas trop par là. Ah, la tête brune, je vais pas dire au revoir. Ouais. Salut Sacha. On y va. Merci de ton aide. Ciao. Merci Lou, c'était cool. Ouais. C'était cool. Tiens, quelqu'un là. Je descends avec. Ciao. Vas-y. Qui c'est qui veut une chèvre? C'est beau, les gens. Tiens les femmes! Tiens les chèvres! Tiens les copains! Bon retour, alors bonne marche! Ciao! Ça, j'ai envie de pleurer! Ciao! Elle est toute bonne! Je vous aime beaucoup! Ouais. Pour d'autres aventures. À votre contact. On ne sait pas ce qu'on va faire après. Mais c'est pas un souci, ça. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Partir vers d'autres aventures. Et il y a toujours quelque chose qui arrive. De toute façon, dans la vie, ça ne s'arrête pas. Et. Ouais, c'est vrai que c'est une façon de voir l'existence. Avoir confiance. Et qu'est-ce qui peut nous arriver vraiment? Rien de grave. Moi, j'ai
ma vieille carcasse à pourvoir. Hein. Prendre soin un peu des autres, d'Irène. C'est pas vraiment grave si on se retrouve avec peu de moyens, disons. J'étais assis sur une page blanche il y a 4 ans. Il y a ça qui est venu. Et puis là, on se retrouve assis sur une page blanche. Et puis on est curieux de voir ce qui arrive. Mais l'idée, c'est quand même maintenant de trouver un lieu de vie où on pourrait s'installer à l'année. Envie de s'installer, trouver un endroit, un coin de nature, quelque part en Suisse romande, là. Un peu haut. Dans les montagnes quand même, mais pas si haut. Pas trop haut.